Deux officiers des FARDC ont écopé une peine de servitude pénale en perpétuité ce mardi 10 août à Goma. Le major Rimeze Kangongo Bissimwa et le capitaine Mukanda Muzito Pola, poursuivis pour cause et blessures volontaires et violation des consignes par le tribunal militaire de Goma, ont vu leur sentence prononcée à l'issue d'une audience en flagrance à l'auditorat militaire de Goma. Le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire Ekoukali Popo, a assisté à l'audience. Suivant un extrait de la sentence prononcée par le président du tribunal militaire. En conséquence, condamne le prévenu major Rimeze Kangongo Bissimwa à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessure. Le condamne avec admission de circonstances aggravantes liées au temps exceptionnel à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine en vertu de l'expression de la peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. S'agissant du prévenu Mukando Muzito, dit établi l'infraction de coups et blessures volontaires ainsi que celle de violation de consignes en période exceptionnelle. Le condamne en conséquence à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessure, à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. En application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, par expression de la peine la plus forte, prononce une seule peine et le condamne à la servitude pénale à perpétuité. S'agissant de l'action publique, statuant quant à ce, publiquement et contradictoirement, la Cour la déclare irrécevable pour défaut de consignation. La Cour militaire du Nord Kivu, en état de siège, statuant contradictoirement à l'égard des prévenus, de la partie civile et de tous, en procédure de flagrance, dit l'action publique mue par le ministère public en cette procédure recevable, l'a dit également fondée,
Par conséquent, dit établi, l'infraction de coups et blessures volontaires à l'égard des deux prévenus. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de violation de consignes en période exceptionnelle. En conséquence, condamne le prévenu Major Rimenze Kangongo Bissimo à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessure. Le condamne avec addition de circonstances aggravantes liées au temps exceptionnel à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consigne. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine en vertu de l'expression de la peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. S'agissant du prévenu Mukando Muzito, dit établi l'infraction de coups et blessures volontaires, ainsi que celle de violation de consignes en période exceptionnelle. Le condamne en conséquence à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessure, à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. En application de l'article 7 du Code judiciaire militaire, par expression de la peine la plus forte, prononce une seule peine et le condamne à la servitude pénale à perpétuité. S'agissant de l'action publique, statuant quant à ceux, publiquement et contradictoirement, la Cour la déclare irrécevable pour défaut de consignation de frais. La Cour militaire a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle siège le lieutenant-colonel magistrat autant. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour, à laquelle ont siégé le lieutenant-colonel magistrat Kadeya Yahanou Ben, premier président de la Cour, major magistrat Tumuna Chinichan, conseiller, lieutenant-colonel Kenowa Molango Henri, lieutenant-colonel Ilanga Pia Marc Lévy, ainsi que le major Chamala Hubert, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté à l'audience par le major magistrat Estungé Akadi Ruffin, substitut de l'état militaire supérieur, avec l'assistance du capitaine Bavarias, greffier du siège. Avant de faire déposer les armes, j'informe les condamnés qu'ils disposent de 5 jours qui courront à dater du lendemain du prononcé de cette décision pour former des voies de recours. En date du 3 août 2021,
en date du 3 août 2021, le capitaine Okando Mosito, administré à la 335e escale Goma, avait reçu mission de décharger la cargaison du camion Kamaz à l'aéroport de Goma. Pendant qu'il exécutait sa mission, il reçut un contre-ordre d'abord du capitaine Bassosil à Dieu merci de suspendre le déchargement. Peu après, arriva le major Rimeze qui réitéra le même contre-ordre. Face au refus renouvelé du capitaine Mukando, le major Rimeze insista mais sans succès. Par la suite, une bagarre éclatera, partant du hangar d'abord pour se poursuivre jusqu'à l'extérieur au vu du grand public. Les images de la dite bagarre et des insultes ont largement circulé sur les réseaux sociaux, au point qu'en date du vendredi 6 août 2021, à la clameur publique généralisée, l'auditeur militaire supérieur près la cour militaire de Nord Kivu saisit cette cour en procédure de flagrance. La cour, sur sa saisine, l'est sur présentation des prévenus par l'auditeur militaire supérieur en vertu de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnées flagrantes ou réputées telles. Sur la compétence de la cour. Sur la compétence de la Cour. La Cour relève, conformément à l'article 246 du Code judiciaire militaire, elle apprécie sa compétence d'office, et à cet effet, elle note qu'un des prévenus, en l'espèce le capitaine Mukando Mosito Paulin, est par nature justiciable du tribunal militaire de garnison. Cependant, elle note que les faits mis à charge des prévenus sont intimement liés par le temps, par le lieu et par les personnes impliquées ainsi que par leur nature et qu'en conséquence, qu'il y a connexité entre les susdits éléments et acteurs en sorte qu'ils ne peuvent être connus que par une seule juridiction en vue d'éviter la disparité des décisions. Abondamment, elle relève que, outre et sans préjudice des préventions, le major et le capitaine, tous prévenus, sont militaires actifs administrés à la force aérienne congolaise et comme tels, ils sont également régis par le statut de militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, prévu par la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013. Et conformément à l'article 105 du Code judiciaire militaire, le capitaine justiciable est rendu justiciable de la cour militaire en ce qu'elle est compétente pour le major prévenu du grade et du rang les plus élevés. S'agissant des préventions retenues par la Cour, conformément à la procédure de flagrance et conformément aux renseignements reçus des 4 témoins entendus sans serment, conformément aux images à la preuve recueillies sur projection des images des événements, la Cour a retenu que le ministère public sollicite la condamnation, premièrement, du prévenu Mukanda
Le prévenu Rimézé pour violation de consigne et voie de fait, ainsi qu'outrage envers le supérieur. Il nous sollicite également la condamnation du prévenu capitaine Mukando Mosito au même peine, c'est-à-dire 1 an de statut pénal pour outrage, 2 ans pour voie de fait et la perpétuité pour violation de consigne. S'agissant des voies de fait, la Cour dit que les faits ont démontré suffisamment, par leur nature, par leur ampleur, par leur puissance, qu'il s'agissait de coups qui sont d'abord partis du major sur le capitaine et que le capitaine a également réagi, mais au-delà de la proportionnalité de l'attaque, non seulement il a administré des coups au major, mais en plus il l'a projeté à 3 reprises. La Cour retient donc qu'il y a coups et blessures et non simple voie de fait. S'agissant de la violation de consignes telle que retenue par le ministère public, telle que requis par le ministère public, la Cour est d'accord avec la prévention et non le raisonnement de l'accusation, à ce que l'ordre, le contre-ordre par le major Limens est donné au capitaine de suspendre le débarquement de la cargaison ne constitue pas une consigne, mais bien un ordre. La Cour dit par contre que constitue la violation des consignes à l'égard et du major et du capitaine le fait de se livrer à des échanges de coups en public, à des échanges de coups en public, s'il vous plaît, en violation de l'article 13.4 de la loi numéro 13/005 du 16 janvier 2013, qui dispose, par là de l'article 1er de la suite loi portant statut de magistrat, statut de militaire. Le militaire doit, en tout temps et en tout lieu, respecter le militaire doit, en tout temps et en tout lieu, respecter les institutions de la République, s'abstenir de toute activité contraire à la Constitution et aux lois de la République, veiller à la sauvegarde des intérêts de la nation, et enfin, éviter de compromettre l'honneur et la dignité de son État et de sa profession. C'est le point 4 qui est en espèce concerné. Le fait pour le major et pour le capitaine, le fait pour le major, le prévenu Limense, et pour le capitaine Mojito, de se livrer à une bagarre ouverte, s'offrant ainsi un spectacle au public, ce fait-là porte atteinte au point 4 de l'article 16 de la loi portant statut du militaire, qui dispose clairement, le militaire doit éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de son État et de sa profession. Qu'ayant ainsi agi, les prévenus majors Rimenzi et le capitaine Mosito n'ont pas seulement porté atteinte à la dignité et à l'État de leur profession, mais jeté l'opprobre sur les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'à la police nationale congolaise. L'article 19 de la même loi continue et dispose en ce terme. Le militaire est tenu à la stricte correction dans ses rapports avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés.
Tel est l'alinéa 1er de l'article 16, l'article 19 de la loi portant statut du militaire. Et que celle-ci, aucune peine n'est pas prévue, elle est considérée comme une consigne que le major et le capitaine connaissent. S'ils ne peuvent invoquer l'ignorance, ils sont censés la connaître. En cela constitue la violation de consigne qui est établie. Les prévenus ayant commis ces actes en plein exercice de leurs fonctions pendant les heures de service. Ainsi, la violation de consigne est établie comme les coups et blessures. S'agissant de l'action civile, le major Rimes s'est constitué partie civile en cour d'instance. La cour constate et est d'avis avec l'organe de poursuite que faute pour le requérant d'avoir consigné les faits irrelatifs, cette action sera déclarée irrecevable. Par ces motifs, cour militaire, droite, alignée, main, gardez. La cour vient de se prononcer par rapport aux deux officiers militaires qui se sont bagarrés publiquement. Quelles leçons à tirer? La première des choses d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, on n'entretient aucune impunité. Parlant justement de l'arrêt que vient de rendre la cour militaire du Nord Kivu, c'est un arrêt qui a d'abord un caractère pédagogique, mais aussi dissuasif. Parce que vous êtes sans oublier que nous sommes pendant l'état de siège décrété par le commandant suprême. Et les premiers animateurs de cet état de siège, ce sont les militaires et les policiers. À ce titre, ces derniers doivent avoir un comportement exemplaire. Merci. Donc ça, c'est une leçon pour d'autres. Effectivement, comme je viens de vous le dire, l'arrêt que vient de rendre la cour militaire du Nord Kivu a un caractère non seulement pédagogique, mais aussi dissuasif. Cela pourra permettre aux officiers et aux hommes des troupes, surtout pendant cet état de siège, d'avoir un comportement exemplaire parce qu'ils sont les premiers animateurs, n'est-ce pas, de cet état de siège. Et quel message vous pouvez lâcher à la population? L'arrêt qui vient de rendre la cour vient d'apaiser notre population. Parce qu'en fait, c'était une façon de jeter un discrédit sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Et la punition ou la sentence, elle est vraiment exemplaire de manière à ce qu'elle puisse dissuader les officiers et les autres hommes des troupes qui sont en train d'œuvrer au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi au sein de la police nationale congolaise. Est-ce que du côté de l'armée, c'est une satisfaction de voir que ces officiers qui ont fait les déshonneurs de l'armée d'être condamnés? Écoutez, lorsque vous ternissez l'image des forces armées de la République démocratique du Congo, écoutez, il faut vous attendre à une telle sentence. Il y a aussi les prévenus viennent d'être condamnés. Vous avez été pour leur cause. Quel est votre sentiment? Nous félicitons notre justice militaire parce qu'elle a montré qu'elle n'est pas complaisante et que cette zone, c'est une zone opérationnelle et la zone est proclamée en état de siège. Cet état de siège, c'est un état exceptionnel. Donc, les comportements des militaires sont doublés davantage de vigilance et que la hiérarchie veut essayer et que la nation veut essayer le militaire parce qu'on a déclaré l'état de siège ici pour que tout dépende des militaires en fait que eux puissent donner la solution là où
les autorités politiques d'initiative civile n'ont pas pu pendant plus de 10 ans. Donc la justice militaire, encore une fois, honorée, n'est-ce pas, notre jurisprudence nationale de sa rigueur, de sa rigidité, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'arrêt qu'ils ont prononcé. Mais comme nous sommes des avocats, le major Rumenze a été condamné à la perpétuité ainsi que le capitaine. Tous ont été condamnés à la perpétuité, mais la motivation n'est pas suffisante. Cette motivation n'est pas suffisante, donc nous allons faire appel pour que le juge supérieur, c'est-à-dire la haute cour militaire, puisse fixer les choses. Parce que déjà, on les a condamnés à la perpétuité, on les a laissés dans la loi. Et ça déjà, c'est une violation de la loi. Lorsque vous êtes puni au-delà de 5 ans de prison, vous ne pouvez pas rester dans la loi. Et donc, ils vont continuer à être payés parce qu'ils n'ont pas été ni dégradés, ils sont restés tels qu'ils sont entrés devant le juge. Ça veut dire, ils sont condamnés, ils restent militaires, ils vont faire leur prison. Ça, c'est déjà une violation de la loi. Donc le juge supérieur, c'est-à-dire la haute cour militaire, va pouvoir corriger, n'est-ce pas, cette façon-là. Mais sinon, nous félicitons notre justice. Je suis venu ici pour qu'évidemment ma présence puisse, n'est-ce pas, que ma présence puisse contribuer à ce que la défense puisse être exercée, parce que tous les citoyens, même en état d'exception, en état de siège, sont défendus. Leurs droits doivent être respectés. Et plus ou moins, leurs droits ont été respectés pendant toute la procédure. Et nous croyons que le juge supérieur, dans la haute cour militaire, va pouvoir établir les choses conformément. Mais dans tout le cas, en conclusion, la justice militaire congolaise, siégeant au Nord Kivu en état de siège, a fait son travail. Et je crois que ça va donner la leçon à tous les militaires qui sont froqués. On ne porte pas des coups en tant que militaire, on ne viole pas, n'est-ce pas, la discipline, l'honneur et surtout la hiérarchie. Un militaire ne peut pas désobéir parce que celui qui a désobéi a été condamné pour cette attitude. Et il a été condamné pour les coups et blessures, et nous considérons un coup de chapeau à notre justice. Et je crois que le signal sera reçu par tous nos militaires que ce genre de comportement n'auront pas la compassion de notre justice, ils seront condamnés. Donc, de préférence, il faut éviter de se mettre dans ce genre de situation lorsque vous êtes en tenue, vous êtes en fonction, vous êtes en train d'exercer, n'est-ce pas, ce que l'État vous a confié. Donc voilà un peu notre réaction à chaud par rapport à ce que la justice militaire siégeant au Nord Kivu en état de siège a fait. Et donc, en ce qui me concerne, coup de chapeau.